tout premier club, j'allais dire une bêtise, mais ma première licence, c'était à Limoges, à la LSA, Limoges-Saint-Antoine. J'ai joué là-bas en mini-poussin et poussin. Ça commence à faire un petit bout de temps. Et ensuite, j'ai passé plus de 10 ans à côté de Montpellier, dans le club de National 3, Castelnau Basket. Et c'est là-bas que j'ai évolué en tant que joueur, j'ai fait ma formation et que j'ai commencé à arbitrer aussi. Je suis tombé dans l'arbitrage parce que mon père était arbitre championnat de France. Très bon arbitre championnat de France. Un des meilleurs à son époque d'ailleurs. Et je l'accompagnais dès que j'ai pu partir avec lui le samedi soir, je l'ai accompagné dans les salles. Et c'est là que j'ai découvert son activité. Le basket championnat de France aussi. Et ça m'a plu, j'ai eu envie d'essayer et puis il m'a poussé au maximum. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je le remercie pour ça. C'est mon premier fan. Devenir arbitre pro, ça n'a jamais été un objectif. Mon objectif, c'était d'aller le plus loin possible dans l'activité. J'ai commencé au niveau le plus bas, en département, comme tout le monde. Puis l'objectif à chaque fois, c'était de devenir le meilleur arbitre au niveau où j'étais. Et quand on progresse comme ça, forcément, le milieu est fait de telle façon qu'on nous propose toujours d'aller s'essayer à l'échelon au-dessus. Et au bout du compte, ça m'a amené aujourd'hui jusqu'au niveau pro à Pro B. Et il y a encore beaucoup de niveaux qui sont au-dessus de ça. Donc l'objectif pour moi, c'est toujours le même, être un des meilleurs dans ma division. Quand on me confie un match, je veux essayer de l'arbitrer du mieux que je peux. Quand j'ai commencé, j'étais un petit peu loin de tout ça. Et je me suis vite aperçu que l'arbitrage était une activité qui permettait de se découvrir soi-même et de se dépasser un petit peu au fil des matchs. C'est ça qui me motive, je pense, le plus aujourd'hui et qui me pousse à continuer. Essayer de pousser à chaque fois un petit peu plus loin ce que je suis et ce que je peux faire. J'ai jamais arbitré en Ile-de-France, pour la Ligue Ile-de-France, parce que je suis arrivé à Paris, j'étais déjà en National 1. Mais j'ai arbitré comme tout le monde au niveau Ligue. Et ça m'a beaucoup apporté parce que c'était une bascule entre le niveau départemental où il y a peu d'enjeux, on découvre l'activité, et le niveau championnat de France, où il y a une vraie compétition, il y a des vrais enjeux, des clubs structurés. La Ligue, elle est un petit peu à cheval entre les deux. Et en termes d'arbitrage, j'ai pu découvrir déjà un niveau de jeu qui était bien supérieur au département. Et aussi arbitrer avec des gens qui étaient déjà en championnat de France, beaucoup plus expérimentés que moi. Et ils m'ont transmis un petit peu leur savoir-faire, leur expérience. Et je pense que ça m'a forgé. Le niveau des ligues régionales, c'est très formateur pour les arbitres. Quand j'avais moins d'expérience, j'avais tendance à vouloir très vite parler de beaucoup de situations, parler. Et je me rends compte aujourd'hui que d'abord la première chose à faire, c'est reprendre nos esprits, boire un coup, souffler et penser tout de suite à ce qui va arriver après. Être prêt à arbitrer la suite. Et pas seulement vouloir absolument tirer les conclusions ou j'aurais dû siffler ça, j'aurais dû faire ça, t'as vu lui, on l'a mal géré. Je pense qu'il faut reprendre ses esprits, c'est la première chose à faire. Ensuite, s'il y a vraiment un point qui est important à aborder, on le fait avec les collègues. Mais ce qui doit être vraiment primordial, c'est de penser à la suite. Où va être la remise en jeu, à qui va être le ballon, quel travail on va avoir à faire sur les minutes qui restent avant le prochain intervalle, et ce genre de choses. Pour moi, c'est primordial plus que de vouloir discuter de choses qui sont déjà passées et qui, de toute façon, ne pourront pas changer. Match sans erreur, ça n'existe pas. Match avec très 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 peu d'erreurs, ça existe. J'ai un ou deux souvenirs où j'avais réussi à être très bon, mais ça reste un ou deux souvenirs sur des centaines de matchs arbitrés aujourd'hui. Il faut accepter, quand on est sportif, qu'on ne pourra pas tout contrôler, tout ne se passera pas comme on avait prévu. Et puis, dans notre activité d'arbitre, on prend beaucoup de décisions. Qu'on siffle ou qu'on siffle pas, on a toujours pris une décision. Et forcément, il y en a qui ne seront pas bonnes parce que pas assez concentré à ce moment-là, pas bien placé, parce qu'on croit avoir vu et finalement c'était pas ça, ou parce qu'on a été perturbé par je ne sais pas quoi, mais en tout cas il faut accepter qu'on ne pourra pas tout contrôler, il y aura des décisions qui ne seront pas bonnes. Notre objectif, je pense, à tous en tant qu'arbitre, c'est que ces décisions-là elles soient à la marge et qu'elles tombent dans des moments du match où ça n'a pas d'incidence en compte. Ce qu'on veut tous éviter, c'est la mauvaise décision à la dernière seconde du match, où là, forcément, ça va tout casser. Après, la mauvaise décision, on est tous exposés. Ça fera réagir les spectateurs, les joueurs, les coachs.
On doit être prérequis, c'est ça, parce que de toute façon, ça fait partie de notre travail. Après, si on peut corriger l'erreur, tant mieux. Si on peut pas, tant pis, ça fait partie du jeu. Il y a aussi des balles perdues, il y a aussi des paniers ratés, il y a aussi peut-être des temps morts qui ne sont pas toujours pris au bon moment. Chacun fait des choix, prend des décisions, et tous ceux qui décident sont exposés à ce qu'ils aient pris une bonne ou une mauvaise décision. Le plus dur, c'est de l'assumer, et si on accepte déjà que ça puisse arriver, c'est beaucoup plus facile à encaisser. J'ai pas l'impression que l'arbitrage soit une activité à risque. Enfin, je parle du basket, hein, je connais pas les autres sports, même si on peut voir dans téléfoot parfois qu'il y en a qui se font courir après. Mais en tout cas, au basket, j'ai jamais eu le sentiment que j'étais en danger. Il est jamais agréable d'être pris à partie, que ce soit par des spectateurs ou qui que ce soit d'ailleurs, mais c'est jamais agréable, c'est toujours dur à encaisser. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'être en danger, j'ai jamais été agressé sur un terrain. J'ai été secoué une ou deux fois, ça fait toujours bizarre quand ça arrive parce qu'on n'est jamais préparé à ça. J'ai été secoué deux fois, il y a une dizaine d'années en étant plus jeune, en championnat de France les deux fois. Une fois un président de club qui est venu m'attraper dans le rond central. Son équipe avait perdu de 12 points, mais c'était un contexte particulier, c'était l'inauguration de la salle, etc. Il avait perdu 12 points à domicile, et puis du coup la fête était peut-être un petit peu gâchée pour lui. Et il était venu m'attraper dans le central, il m'avait secoué un petit peu, ouais. Ça fait toujours bizarre parce qu'on ne s'attend pas à ça. Et puis ce qui m'a le plus marqué, c'est que du coup il y a toute une procédure qui se met en place, des rapports d'incidents, etc. On était sorti très tard du gymnase et la solitude derrière. M'avait frappé. Se retrouver tout seul après avoir vécu ça, reprendre sa voiture, ça avait été un moment très dur à vivre, mais j'ai rebondi. Évidemment, la personne elle a été sanctionnée, et puis cette personne-là, elle a démissionné. Elle s'est rendue compte de son geste, et je ne sais plus si elle s'est excusée ou si elle m'a envoyé un courrier, c'est possible, mais en tout cas, cette personne-là, après avoir purgé sa peine, a démissionné immédiatement de ses fonctions. Elle s'est rendue compte que Elle avait dépassé les bornes. Et la deuxième fois, c'était dans un couloir de vestiaire, suite à une décision peut-être trop sévère de mon collègue en fin de match. On s'est fait un petit peu chahuter par les dirigeants, c'est monté en température beaucoup. Et j'ai jamais eu de retour après ça. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a rien eu. Tout le monde est intervenu assez rapidement pour que ça déborde pas plus que ça. Mais c'est des situations qui sont très rares, heureusement. Difficile de se préparer à l'avance parce que les émotions prennent le dessus à ce moment-là. Mais concernant ce que j'ai vu, un arbitre qui se fait frapper, ça ne m'inquiète pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est marginal dans notre sport. Et il faut que ça le reste absolument. Ça, c'est pas du ressort des arbitres, mais plutôt c'est plutôt la fédération qui met ça en place pour que le basket reste un sport agréable pour toute la famille. C'est le cas, que ce soit spectateur ou pour les acteurs, c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut que ça reste. Ouais. Je ne me suis jamais caché, ni pour entrer, ni pour sortir d'un gymnase. Et je ne me cacherai jamais, j'assume mon rôle, j'assume ce que je fais. Et puis, si j'ai mal fait, j'assumerai aussi, mais je ne fuirai pas. Et puis, j'ai pas de crainte. Les gens aussi, je pense, sont tous capables de comprendre que bah ouais, je suis arbitre, j'ai pris la mauvaise décision. Voilà. Ce qui est bien en France, c'est que ce que j'entends beaucoup, ce qui est très bien pour nous, c'est que les gens reconnaissent qu'on est honnête, tous les arbitres. On est honnête et que quand il y a une mauvaise décision qui tombe, c'est pas parce qu'on a voulu pénaliser une équipe ou un joueur. C'est parce qu'on a manqué de compétences à ce moment-là. Ça, je pense que c'est excusable et on fait un gros travail derrière pour que ça ne se reproduise pas. Le match, l'objectif, c'est vraiment le minimum d'erreurs. Je suis pleinement satisfait si j'arrive à regarder ma vidéo de match et à me dire ouais, j'ai fait que deux erreurs dans ce match-là. Ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé. Hein. On en trouve plus que ça. J'en trouve plus que ça, moi, personnellement, sur mes décisions. Mais c'est un vrai travail. L'objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est ça. C'est de siffler juste. C'est d'être précis. Et de bien appliquer les règles, mais surtout de ne pas me tromper. D'avoir des bonnes décisions, un maximum de bonnes décisions. Et là, je peux me dire qu'après les gens soient contents ou pas contents, si quand je fais ma vidéo, je me dis j'ai fait 100% de bonnes décisions,
Moi, je serais content. Parce que j'aurais bien fait mon travail. J'aurais été juste. Bon, l'objectif, c'est ça. Après, vraiment, ce qui arrive 90% du temps, l'indicateur, c'est que quand tout le monde vient dire merci à la fin du match, les gens sont satisfaits. Même s'il y a eu des erreurs, j'ai déjà le sentiment d'avoir fait mon travail correctement. Le match, c'est une quantité de travail phénoménale en ce qui me concerne. Mais ça, c'est pas immédiatement après le match. On a notre petite routine, c'est toujours pareil, on va manger ensemble. C'est un moment convivial et humain, j'ai envie de dire, où on ne parle pas forcément du match, mais on partage quelque chose autour de l'activité. Un moment très important pour nous, les arbitres. Et parce qu'on est souvent seul. Toute la semaine, on est seul, c'est pas comme les joueurs. Nous, on se déplace tout seul, on travaille chacun de son côté. C'est le seul moment où on est ensemble, c'est avant le match, pendant le match et juste après. Ça, c'est des moments qui sont humainement très forts. Et puis après, une fois qu'on a repris le train ou l'avion pour rentrer à la maison ou la voiture, on a tout un travail d'analyse du match à fournir. On épluche la vidéo seconde par seconde pour repérer nos bonnes décisions, pourquoi on a pris la bonne décision à ce moment-là, aussi nos erreurs et nos mauvaises décisions, pourquoi je me suis trompé à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, quelle décision j'aurais dû prendre et qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre la bonne décision lors du prochain match dans la même situation. Ça, c'est le travail d'après-match. Et après, on enchaîne assez rapidement avec la préparation du match qui arrive après. Mon rêve, c'est toujours le même, ça a toujours été le même. C'est un rêve, il n'est pas forcément accessible, mais c'est d'arbitrer en NBA. Pour moi, ça serait ça. Le vrai rêve, ça serait ça. L'objectif, il est plus proche de nous, plus terre à terre, et il serait d'accéder à la FIBA, arbitrer en Champions League maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle, l'ancienne Euroleague, au niveau international en Europe. Ça, c'est vraiment un objectif à long terme. Et je travaille dur pour y arriver. Après, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Mais ça, c'est un objectif et un rêve. Ça serait un titre en NBA. Ouais. Pour moi, c'est la ligue la plus prestigieuse. Et le basket est né là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à pousser le truc un peu plus loin chaque saison. J'ai eu la chance ce week-end, là, juste qui vient de passer, de rencontrer un ancien arbitre qui est maintenant commissaire en Pro B. Et on a discuté il a fait quelque chose pour moi qui est extraordinaire. C'était à Monaco. Il a arbitré à Monaco le camp d'entraînement de la Dream Team en 92, avant qu'il parte à Barcelone. Et il a arbitré ce fameux match d'entraînement entre Michael Jordan d'un côté et Magic de l'autre. Et pour moi, ça reste quelque chose de mythique. C'est un peu le summum. Donc c'était maintenant il y a 24 ans. Ça commence à dater, mais faire quelque chose comme ça, je pense que quand on arrive à ce niveau-là et à vivre cette expérience-là, on peut partir tranquille. Après, si un jour j'arrive à vivre quelque chose comme ça, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Pour être arbitre, il faut beaucoup de courage, parce qu'on a beaucoup de responsabilités dans cette activité-là. Mais je pense que c'est un beau challenge pour tout le monde, mais surtout pour soi. Parce que ça nous permet de nous découvrir, de voir comment on réagit dans des situations qui sont parfois difficiles, comment on réagit quand on est au centre du terrain et que c'est à nous d'appliquer les règles et d'être juste. Et ça nous oblige, si on est un minimum compétiteur, ça nous oblige à nous dépasser et à se dire, bah là j'ai mal fait ça, il faut que je fasse mieux la semaine prochaine, comment je peux faire. Ça nous oblige à aller à la rencontre de différentes personnes, à nous entourer de gens plus compétents que nous. Et donc ça nous permet de grandir. Je pense que c'est ça qui m'a motivé depuis le début et qui me motive toujours aujourd'hui. C'est que cette activité-là, elle m'a permis de grandir, elle me permet de grandir en tant qu'homme. Et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Je pense que c'est... Si on va chercher ça dans l'arbitrage, on ne peut qu'être satisfait de soi et de cette activité-là. Après, chacun a ses motivations, chacun est là pour une raison différente, certainement, mais un jeune qui commence aujourd'hui, c'est ça le message que j'essaie de lui faire passer, et c'est ça que j'ai essayé de donner aux plus jeunes à Paris, c'est que voilà, allez-y pour ça, et on voit vite ceux qui ont la petite étincelle dans les yeux et qui prennent du plaisir à être là, à prendre des décisions, qui n'ont pas peur de se mettre en difficulté, et qui trouvent leur compte là-dedans, dans ces émotions, ces sensations, et dans le plaisir d'avoir
d'avoir bien accompli le travail. C'est ça qui me motive toujours aujourd'hui et depuis le début, ouais. Et qui me motivera toujours demain, je pense, parce que plus j'avance, plus le temps passe, et plus je me rends compte que la route est encore, hein, et on a encore plus devant que derrière. Et ça, c'est... ça, dans la vie, je pense que c'est passionnant. Se dire... j'ai toujours l'impression d'en avoir fait beaucoup, mais quand je regarde devant et que je lève la tête, je me dis, wow, la route est encore longue. Et j'ai la chance d'être entouré aujourd'hui de gens qui me le disent, qui croient en moi, qui m'aident à avancer et qui me disent qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et qui essaient de trouver des solutions pour me permettre d'avancer chaque jour un petit peu plus. Et ça, c'est... Je ne pouvais pas attendre plus. Tomic, comme les mecs de l'Est. Couche-tard, à fond. Couche-tard parce qu'il y a, deux enfants et il faut s'en occuper à la maison. Et couche-tard parce qu'il faut faire des vidéos tous les soirs et après les matchs, même couche pas. Quand j'ai rajouté ça, couche pas. Le Togo parce que ma femme est togolaise et que je dois y aller bientôt. Il faut que les billets vont pas arriver tout seul, enfin je les paye ceux-là. Mais j'ai vraiment un cœur pour l'Afrique et l'authenticité qu'on peut y trouver, que ce soit au mouvement ou dans les territoires. Mon dernier gros achat, mon appartement. Mon endroit préféré en Ile-de-France pour un prêt. Le ministère des Finances. Parce que c'est mon club et que j'y vais toujours en short en me disant c'est tranquille, je suis à la maison, et chaque fois que ça se passe mal, les mecs ils lâchent rien. Et surtout ceux de mon club, ils lâchent rien du tout. Ils font pas de cadeaux. Et ils acceptent aucune erreur. J'en prépare rien, c'est ma femme qui cuisine à la maison. Si c'est moi qui cuisine, ça va être sec. Ça va être sec et pas très bon. C'est dur à avaler parce qu'il vient d'en avoir beaucoup. Je me suis blessé au genou vraiment l'année dernière, j'ai passé un an dans le canapé et ça a été un an, pas un an mais 9 mois, un week-end sans match, j'ai regardé les copains à la télé, des trucs comme ça, en disant ils suivent plein de conneries, il faut que je revienne. C'est jamais pour la même personne, j'ai pas de routine. Le dernier message avant de dormir, il est pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille. C'est dur, il y a plein de bons souvenirs. Le meilleur souvenir, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. J'espère en tout cas. Je suis jamais rentré sur un terrain en me disant c'est pas grave si je suis ridicule. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais certainement que dans l'esprit de certains joueurs, j'ai été ridicule à un moment. Je fais partie du jeu. Il y en a une, il y a un collègue qui se reconnaîtra, mais il y a 15 ans de ça, il avait écrit sur un décorement, il était dans un petit stage, il avait écrit. J'ai gardé ça en mémoire et puis la mémoire qui est ici aussi, il avait marqué pas d'excuses. On est tous rentrés dans la salle de motos, c'était tranquille, les vacances. Et on a vu ça sur le mur et ce moment-là, je me suis dit, wow, le niveau d'exigence il est tout là-haut, mais là, il a marqué quelque chose sur le mur que je vais garder toute ma vie, que je suis jamais d'excuses. Il l'a dit avec un accent du sud, jamais d'excuses. Mais ma devise, c'est que il faut avancer. Il faut travailler pour avancer. Peut-être un petit trait d'humour, mais qu'au premier abord, les gens ne trouvent pas forcément, parce que je suis plutôt quelqu'un de très rigoureux et très sérieux. Et puis, ceux qui me connaissent bien, ça fait que tu peux envoyer un peu des rêves sans problème. Kobe, si j'étais un joueur, j'en aimerais être Kobe. Parce que je suis un petit peu trop jeune, j'ai connu l'époque Jordan, mais pour moi, le joueur à ma grande époque. C'était Kobe, Iverson j'adorais, mais Kobe. Enfin, moi, c'est, si j'avais pu être un joueur, j'aurais été Kobe. Un acteur, Kevin Costner. Musique, j'aurais été un groupe de musique. C'est BM, sans problème. Ça, c'est mon adolescence aussi. Mais j'assume. Un objet de basket. Une paire de baskets noires. Personnalité que je pourrais rencontrer. J'aurais adoré parler avec quelqu'un comme Mandela. C'est plus possible, mais j'aurais adoré. Mmh.
c'est un de mes chevals de bataille, mais je me dis toujours que si je devais tout refaire aujourd'hui, je referais exactement la même chose. Donc pas de regret. Parce que je suis fier de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Même ce qui était des erreurs, ce qui n'était pas bien, ça m'a permis d'en tirer des leçons et d'avancer. C'est aussi grâce à ça que j'ai avancé, donc pas de regret. Je vais enlever qu'à cet objet. Bah, j'ai rien à faire de mes enfants. Ah oui, il est 10 minutes avant de mettre. En 2-30 ans, c'est pas possible. Je préfère me faire écraser par chaque ennemi. Ah, perdre mon cyclé, c'est impossible. Là, je serais ridicule. Réaliser cette interview pour la Ligue de France. Les matchs, j'en ai appris beaucoup et là, c'est une opportunité qui me tenait à cœur. Je pense que c'était bien de passer certains messages aux jeunes arbitres notamment. Voilà. Et remercier la Ligue aussi d'avoir mis en place ce projet. Je pense que c'est bien pour faire la promotion de l'arbitrage.